notre première soirée à Rome, Thierry a organisé une visite nocturne des musées du Vatican. Nous voici réunis dans la cour de la Pigna. Au fond, la sculpture contemporaine d'Arnaldo Pomodaro, la fameuse sphère dans la sphère qui pivote sur elle-même. La cour octogonale du belvédère, merveille d'équilibre, accueille les visiteurs dans ses chapelles des sculptures fameuses de l'antiquité gréco-romaine. Le groupe de l'Acaone et l'Apollon chasseur. Les éclairages de la nuit projettent une lumière magique sur la multitude des chefs-d'œuvre qui racontent plus de 2 millénaires d'art et de culture. L'immensité des galeries nous enveloppe dans l'histoire vivante de chaque époque. La galerie des cartes retrace de manière enluminée les états du Saint-Siège au XVIe siècle. Après avoir traversé la galerie des tapisseries, nous sommes saisis par l'intensité des peintures murales des chambres de Raphaël. Saint Léon arrêtant Attila. La dispute du Saint-Sacrement. L'école d'Athènes et tant d'autres. Les collections d'art du XXe siècle sont aussi d'une très grande richesse. Ici, la salle Matisse, inaugurée en 2011, qui rassemble les ébauches de la chapelle de Vence, suivie par des salles de peinture où les plus grands artistes sont représentés. Rouault, Chagall, Utrillo, Kandinsky. Paul VI disait, en inaugurant ses collections modernes, il existe dans notre monde sécularisé une capacité prodigieuse d'exprimer au-delà d'un humain véritable, le religieux, le divin, le chrétien. Après ce labyrinthe de galeries éblouissantes, un petit corridor nous conduit dans la fameuse chapelle Sixtine, avec les chefs-d'œuvre peints par Michel-Ange. Le Jugement dernier, peint au-dessus de l'autel, et la Création, peinte sur la voûte. L'escalier en spirale, double hélice de Bramante, qui date du XVIe siècle, achève de manière spectaculaire cette visite saisissante des musées du Vatican.